Qu'est-ce que tu fais avec tes trucs? Bah, j'ai été acheter un hélico et un jackpot. Je suis stressée. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est en voiture, comme vous le pouvez le voir. Donc on va chercher deux petits poneys. Alors c'était pas prévu au programme. On va chercher deux petits poneys. Donc c'est deux petits poneys à ma maître de stage. Donc je les connais plutôt bien depuis qu'ils sont nés. Donc c'est ma maître de stage qui conduit en les ramenant. C'est elle qui les ramène et on fait le trajet avec elle. On fait le trajet, on s'occupe de les remettre au pré et tout. Et on vous les présente. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour. Salut. On... De quoi? C'est toi t'as qui sont vivants. Oh. On arrive après la bataille, nous. Ouais. Avance. On les attache ou non? J'enlève les longes. Du coup, on repart du pré parce que bah, on a embarqué, c'était pas trop compliqué, ça va. Le 4x4 est derrière nous, on remonte à la maison et voilà. Vous les verrez quand on... Bah, vous avez déjà vu, non? Un petit peu. Mais vous les verrez mieux quand on arrivera à la maison, puis bah, quand on vous les présentera. On a du travail sur eux à faire. Un coupage de crin s'impose. Oui. Moi je suis derrière. Je suis derrière. Il est excité. Oui, ils sont un petit peu en mode stress. Je promène mes chiens. J'aime les voir ici. Mais il a donc lui. Attends. Voilà. Il est trop mignon. Voilà. Dites-nous c'est lequel votre préf. Nous c'est aucun des deux. Non mais. Oh regardez-les. Oh. Ils vont remonter là-haut pour qu'il y a le fil. Maman, c'est vrai, maman. Venez par ici. De toute façon, il y a la rigole, les gars. Oh, oh. Allez, une petite fleur sur le passage. Et ils osent pas trop aller loin. Non, non. Ils ont peur de tout. Ça, c'est normal, ils découvrent. Oh, une... Non, mais il mange une feuille d'érable. Déjà, lui, il est bête. Vous passez pas, hein. Non. C'est Iphigénie celui-là. Oui. Ça c'est Lily. Non mais c'est violent quand il court, hein. C'est waouh. Ça fait du bruit. Hein. Ah oui, ça fait du bruit. Il faut gommer les ânes ici. Là. Ah, il descend le chemin, le petit. T'es une Lily, toi, en fait. Tu suis. Et je suis les conneries. On te présente?
Allez. Nous voilà au pré, donc on a été manger, on a été mettre le courant, tout ça. Donc on a déjà eu une péripétie, c'est que ils sont déjà passés et nous n'avons pas de licole à leur taille. En plus la sellerie elle est fermée jusqu'au 16 août, donc c'est génial. On a acheté des licoles trop grands, donc on va les renvoyer. Et si on peut pas les renvoyer, on les vendra et puis voilà. Alors lui c'est illico. Donc c'est illico du taux parce qu'ils sont nés, on va pas vous dire parce que bon... Vous saurez où on habite du coup. Donc c'est illico du taux. Donc il a 3 ans comme Ify. Il est né au mois de juin, le 19 juin il me semble. Lui c'est juin et puis l'autre c'est mai ou le contraire. Enfin. Et c'est tout. Et un ONC poney, donc ONCP du coup. Je vais pas stresser les jackpots. Ça a l'air d'aller hein, la vie. Donc celui-là c'est le deuxième, alors il est un peu stressé donc on va le laisser s'habituer, il n'y a pas de problème, ça fait quelques heures qu'ils sont là. Du coup c'est jackpot du taux, donc comme vous l'avez compris il a que 2 ans parce que J c'est après I, voilà. Et donc il est né au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus. Du coup demain si le temps le permet et si on arrive à leur trouver des licoles ou une corde à mettre comme un licol, on va essayer de voir comment on peut faire. Et on coupera les crins. Parce que moi j'aime pas quand ils sont longs comme ça. Donc on coupera les crins, la queue, tout ça, parce que ça traîne par terre et ça j'aime pas trop. On laissera de la queue évidemment puisque il faut pour les mouches, voilà. Et on fera les sabots aussi parce qu'ils sont un petit peu longs et du coup on fera tout ça demain normalement et vous serez avec nous normalement si tout se passe bien. Ils sont arrivés là, alors déjà c'était un hasard pur parce que j'étais en stage chez la dame qui les vendait et elle m'a dit simplement ils sont à vendre et je vais les mettre sur le bon coin si tu connais quelqu'un machin. Et du coup voilà, j'en ai parlé à ma mère d'abord et après j'en ai parlé à mon père et il a dit si j'ai mon bac je les aurai. Et du coup j'ai eu mon bac comme vous le savez maintenant. Et du coup ils sont arrivés là pour mon projet on va dire parce que du coup ils seront couplé au gîte, comme je sais pas si vous le savez du coup, mais on a un gîte et à côté des box des chevaux en fait, donc en fait les enfants pourront monter dessus, enfin ils loueront le poney un jour, une demi-journée, une heure, enfin ce qu'ils veulent en fait, ça permettra d'améliorer la ferme on va dire. This war that we've been fighting out can't be won until you're ready. Terminée et du coup on vous retrouve demain donc ce sera pas la même semaine mais ce sera demain aussi pour la rencontre potentielle, on sait pas trop comment on va faire encore, et le coupage de crins et de sabots. Et du coup bisous. On est... non je rigole. Alors il faut qu'on tombe sur 11, 5 ou 24, c'est ça, 10 et 15, c'est bizarre. On va perdre. Bah c'est sûr. Ouais, ouais voilà. Nous avons perdu. Donc ça c'est les numéros gagnants. Il faut qu'on tombe dessus sur ça. Putain, avec le nombre de numéros qu'il y a, on va perdre. Voilà, nous avons perdu. Je vous annonce qu'on a perdu 7 euros pour cette vidéo.